Bienvenue à votre rendez-vous du vendredi. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous parlons de technologie. Pour ce numéro, nous allons encore parler de crypto-monnaie, plus précisément avec notre second expert qui se nomme Dro Adelph. C'est un Ivoirien, il réside en Côte d'Ivoire, qui a sa technique particulière à lui d'obtenir des crypto-monnaies. Merci de suivre avec nous ce reportage. Bonjour, je m'appelle Dro Dion Adelphe, je suis informaticien. J'ai été approché par la structure Cotec pour développer un sujet concernant les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin. Je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que le Bitcoin. En fait, le Bitcoin est une monnaie numérique, 100% numérique, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de pièce physique pour les échanges. Tout se passe sur Internet. Pour avoir du Bitcoin, il vous faut une machine très performante. Et plus la machine est performante, elle vous permet de générer des puissances de calcul assez importantes pour vous générer du Bitcoin. Vu que je n'ai pas les moyens de m'en procurer, j'ai ma technique à moi pour pouvoir avoir du Bitcoin. Ok. Il s'agit de différentes plateformes. Il y a des plateformes d'investissement sur lesquelles vous pouvez investir et puis avoir du Bitcoin. Soit vous pouvez aussi en acheter sur certaines plateformes et les garder dans votre porte-monnaie Bitcoin. Parlant du porte-monnaie, nous avons plusieurs types de porte-monnaie. Voilà, nous avons Coinbase, nous avons Trust Wallet, nous avons Blockchain, pour n'en citer que ceux-là. Pour alimenter votre porte-monnaie en Bitcoin, vous pouvez les acheter sur certaines plateformes qui sont EasyChange, Ratio Exchange et puis AYL. Voilà. Quand vous alimentez votre porte-monnaie, il y a plusieurs avantages, surtout concernant la fluctuation de cette monnaie. Voilà, au début quand le Bitcoin a commencé en 2009 par là, elle ne valait rien. Voilà, mais présentement où je vous parle, quand j'ai commencé le business en décembre passé, elle valait autour de 18 millions. Voilà, c'est-à-dire quoi? Vous achetez du Bitcoin sur la plateforme que je viens de citer, vous les stockez dans votre porte-monnaie sans rien faire. Sans rien faire, en décembre, on suppose que vous avez acheté un Bitcoin qui vaut 18 millions. Présentement où je vous parle, la même quantité de Bitcoin, c'est-à-dire un Bitcoin présentement où je vous parle, elle vaut 33 millions. Voilà, si on actualise, hein, voilà, elle peut tourner autour de 33 millions. Imaginez un peu la marge que vous faites sur seulement un Bitcoin vu le temps passé. Donc, présentement où je vous parle, vous pouvez même acheter du Bitcoin et puis simplement le stocker dans votre porte-monnaie sans rien faire. Et attendre peut-être un an, deux ans ou peut-être quatre mois, vous allez voir que vous allez vous faire des bénéfices énormes là-dessus. L'avantage dans ce domaine-là est que j'encourage tout le monde à s'investir là-dedans. Voilà, ce sont des nouvelles technologies, ce sont des trucs en vogue présentement. Donc, je demande à tout le monde de s'y mettre, de ne pas rester en marge de cette opportunité, au fait. Personnellement, je ne mine pas avec, vu que j'ai pas les gros moyens, je l'ai dit tantôt, je ne mine pas avec des grosses machines. Voilà. Pour les novices, je peux vous conseiller peut-être d'acheter du Bitcoin et vous alimenter votre porte-monnaie. Il y a plusieurs plateformes en ligne qui sont vraiment fiables. Voilà, moi depuis décembre, j'exerce dans cette activité passive qui me permet d'avoir peut-être 8200 par jour. Pour les novices, je peux vous conseiller de démarrer ce business peut-être avec 17 000 seulement. Voilà, avec 17 000, vous achetez du Bitcoin avec les revendeurs en ligne ou bien soit des particuliers qui sont à Abidjan ici. Voilà, vous les achetez, vous alimentez votre porte-monnaie. Et avec cette somme-là, vous pouvez faire des placements sur des plateformes en ligne qui sont fiables. Voilà. Et l'avantage, c'est quoi? Quand vous faites ces placements-là, vous avez des revenus passifs. C'est-à-dire quoi? Votre téléphone vraiment vous sert à quelque chose. Vous voyez? C'est-à-dire, vous vous levez le matin et puis on verse un certain montant sur 10 mois. Ou soit certains sur 16 jours, il y a pour d'autres sur 680 jours. Ça dépend des plateformes. Il y en a plusieurs présentement qui sont en vogue. Donc, comme je le disais, voici ici c'est Coinbase. Coinbase, ça c'est mon porte-monnaie. Ok, vous voyez ici, la monnaie locale est en CFA. J'ai pris le CFA, donc je vais retourner à l'écran d'accueil. Donc, présentement, comme je le disais dans la vidéo, un Bitcoin fait 33 millions. Vous voyez ici, le graphe, il est monté tout d'un coup ici. Vous voyez? C'est-à-dire, si hier tu avais 31, si hier tu avais un Bitcoin ici à ce niveau, aujourd'hui là, vous pouvez retirer 1 million comme bénéfice sans même faire un investissement sur une plateforme en ligne, seulement avec votre porte-monnaie. Voilà, donc moi présentement dans mon porte-monnaie j'ai 38 000.
Avec ça, j'ai fait plusieurs opérations ici. Et ça fonctionne vraiment. Voilà, c'est pas de l'arnaque, c'est une réalité. Ici, vous voyez, ici, c'est le navigateur CryptoTab que j'utilise pour miner. Voilà, vous voyez CryptoTab ici. Je vais activer le minage ici. Là, ils vont vérifier. Voici, je suis pas un robot. Hein. Une heure, 55 minutes pour miner. Donc après ce temps-là, vous serez obligé de venir réactiver encore ce minage-là. Ici, ça compte. Ici, vous avez le compteur qui est là. Voilà. Donc avec ça, j'ai déjà fait des retraits en Bitcoin qui sont dans la partie historique, recherche. Dans le détail du minage, les heures. Voilà, on me dit que j'ai pas accès de Bitcoin pour pouvoir se livrer. Mais avec l'historique de paiement, ici, vous pouvez voir les paiements effectués déjà. Le premier paiement, il est là, et le deuxième paiement, il est là. Donc ça marche bien. Voici ici présenter ma petite expérience dans ce domaine. Voilà. Et le conseil que je peux vous donner, dans tout investissement, il y a des risques. Donc, investissez si vous êtes prêt à perdre. Je remercie la structure Cotech pour l'opportunité qu'elle m'a offerte. Développer ce sujet. Nous remercions déjà Monsieur Dro d'être passé à notre capsule dédiée au TIC, comme vous le savez, qui nous a peut-être entretenu et qui nous a expliqué sa petite technique à lui du fait des placements des bitcoins et d'avoir le retour sur investissement. Mais il nous a laissé un mot de fin qui n'est pas à léser. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Ça vraiment c'est une leçon à tirer profit. C'est une bonne leçon à prendre en compte. Voilà. Nous vous donnons déjà rendez-vous pour notre troisième expert qui est lui qui déploie vraiment de gros moyens, des ressources vraiment très costauds, des tours de minage ou encore appelés des rings à hauteur de 7 à 10 millions pour certains. Voilà, donc ne manquez pas ce rendez-vous là parce que là vous allez voir des trucs de ouf. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain. Abonnez-vous à nos différents canaux de communication, notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Et à très très bientôt.